Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Léa Marie. Après le sud de la France et Dubaï, elle a réussi à rentrer aux États-Unis. Elle est à Miami plus précisément. Elle a eu un rendez-vous avec un fameux chirurgien américain pour refaire de la chirurgie esthétique sur son corps. L'opération est prévue dans une ou deux semaines. Perso, je pense qu'elle va refaire ses fesses parce qu'il me semble qu'elle n'était pas satisfaite de ses opérations précédentes. Et vous, vous pensez qu'elle va faire quelle partie du corps? Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Les amis, aujourd'hui c'est une journée hyper importante pour moi parce que je vais voir mon chirurgien à Miami. Donc voilà, je suis super contente. Il va m'examiner, donc je vais à mon rendez-vous juste après. Bon, aujourd'hui c'est un grand moment parce que j'ai rendez-vous avec le chirurgien. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le rendez-vous, les locaux, c'est hyper beau. Et voilà, j'ai trouvé le meilleur chirurgien de Miami, donc je suis super contente. Seb, c'est quoi cette tête? Je suis content, mais j'ai un peu peur. Ouais, bah moi, c'est surtout moi qui ai peur. Donc voilà, il a une clinique entièrement à son nom. Donc voilà, je vais aller au rendez-vous et je vais voir ce qu'il me dit, ce qu'il peut faire pour moi. Et j'ai hâte de savoir en tout cas, mais j'ai très peur. Bon voilà, j'entre dans la clinique avec vous. C'est canon en tout cas, ça inspire confiance. C'est beau. T'en penses quoi? Ouais, ça me donne envie de faire un truc moi aussi. Super joli. Donc voilà, franchement c'est cool. Bon voilà, il m'a fait enfiler cette petite robe, il va m'examiner, j'ai archi peur. T'en penses quoi toi? J'ai un peu peur, je te mens pas. Ça me fait penser à toutes mes opérations d'avant. Oh my god, mais que vais-je refaire? La question que tout le monde se pose. J'ai une question pour les filles qui ont des implants, ça vous fait pas bizarre d'avoir un corps étranger dans votre corps, genre? C'est trop bizarre. Ça me stresserait de ouf. Wow. Bon voilà, je suis rentrée chez le chirurgien avec Seb, je suis super contente, il m'a examinée, ça faisait des mois et des mois que j'attendais ce moment, parce que je communiquais déjà avec lui par email depuis longtemps, mais voilà, c'est vrai que je pouvais pas venir aux États-Unis, donc d'être là, je suis super contente. Mon opération, ce sera dans 2 ou 3 semaines, je vais pas vous dire de quoi il s'agit tout de suite, parce que j'ai envie que tout se passe bien, donc je vous montrerai tout dès que je me réveille, mais en tout cas, voilà, ça approche, j'ai des prises de sang à faire, et c'est très bientôt, donc je suis trop contente.